Eh bien, bonjour à tous et à toutes, mon nom est Tip Tactic Marc, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de MLB The Show, toujours en tant que homme du premier but dans l'organisation de Dodgers. Dans Los Angeles, on est dans l'équipe AA de ces derniers, ça veut donc dire qu'on joue pour les Drillers de Tulsa. Et on a une excellente fiche dans les Drillers, hein, je vous rappelle, 11 victoires, 1 défaite. Ah, c'est quand même pas si mal, certains disent... diront peut-être, ah c'est trop facile, mais en même temps c'est pas nous nécessairement qui décide si on gagne ou non. Vous voyez que du côté du triple A, donc les Dodgers d'Oklahoma City, c'est 8 victoires, 5 défaites. Et là je pile sur un fil là, littéralement. Voilà, sinon du côté de la ligue majeure, 9 victoires, 5 défaites pour les Dodgers. De notre côté, c'est nous qu'on est les meilleurs. Bref, ah, il nous a pas fait jouer la dernière partie, mais on l'a gagné quand même. Donc c'est vraiment l'entraîneur qui décide si on va jouer ou non, je vous le rappelle. Il faudrait aussi penser à modifier certains de nos éléments, de nos statistiques, de nos aptitudes afin de monter de général. Bref, on est quand même dans les premiers pour le nombre de fois que j'ai réussi des coups sûrs. On en a 23. Derrière nous, on a Scott Van Slyke qui en a, lui, 18. Matt Vasgersian back with the minor league pregame show, counting you down to AA Texas League Baseball with tonight's version of the Bowman Prospect Spotlight. Number 8 will be our subject as he comes off one of his better showings of the year. His last contest, an impressive. Alors 5 fois qu'on a touché la balle lors de la dernière game. Ah, c'est pas mal ça. J'aime bien écouter des fois ce qu'ils disent un petit peu avant de commencer les parties. Bon, c'est parti, on affronte les Naturals du nord de l'Arkansas, de Northwest Arkansas. Et il pleut, les amis, il pleut. Alors, c'est parti. Et Hypnotique marque une moyenne de 676 au bâton, 7 coups de circuit jusqu'à maintenant. Il mène 1-0, on est au début de la deuxième manche. Allez, c'est parti. Mais c'est pas déjà un coup de circuit là? Eh ouais, coup de circuit, les amis! Coup de circuit, un home run, un point produit, ça commence bien, on crée l'égalité. 0-1, Marcos Veras, on est à la fin du troisième. Un retrait. Un double jeu serait parfait, donc je vais essayer de me concentrer là. Double jeu. Voilà. Donc ils ne réussiront pas à créer des points, et c'est ce qu'il fallait. On a réussi notre bon travail de ce côté. 1-1, on a fait un home run. On perd 3-1, personne n'a réussi à faire de points. Depuis que nous, on en a réussi. Allez, c'est parti. Bon, ce n'est pas un home run, mais c'est un coup sûr et c'est ce qu'il faut. Et il y a quelqu'un qui va tenter là de se rendre jusqu'au coussin. Voilà qui est fait. On remonte un petit peu la pente. Et on va changer là de lanceur du côté des Naturals. Robert Kluka, 0-1 ce soir. Ah, on gagnera pas toujours, donc c'est normal, hein. Ce sont un peu plus difficiles. Bref, je suis au premier coussin. Et voilà, réussi. Ça sent le double jeu, malheureusement. Voilà, c'est malheureux, c'est le double jeu. On a empêché cependant. Non, c'est pas le double jeu, on a empêché justement le double jeu. C'est pas mal. Mais bon, on continue d'avancer, les amis. C'est 4-3, donc on a remonté. Mais du côté des Naturals, ils ont repris les devants. Et ouais, c'est très très haut, mais est-ce que ce sera un coup de circuit? Oui, coup de circuit, on était, même notre joueur n'était pas sûr. Un premier produit, deuxième coup de circuit de la rencontre. On crée l'égalité donc 4-4. Et on est au début de sixième manche, les Drillers ont pris les devants 8-4. Une prise. Alors je sais pas pourquoi des fois l'entraîneur nous laisse de côté. Comme vous l'avez vu avant ce match, on a été laissé de côté pour le premier match de cette série. Ce sont des choses qui arrivent. Je pensais pas que ça allait être aussi simple cependant de faire du
des home runs dans ce jeu. Mais moi, ça nous permettra d'avoir des belles saisons, hein, et de réellement donner une chance à notre équipe de l'emporter. Contre la ligne. Là, on lui a fait pas mal de lancers jusqu'à maintenant. On mène par 4 points. Encore une fausse balle. Ah, il a échappé une erreur là du côté. Retiré malheureusement, mais un peu plus ça permettait aux Raiders de réussir. C'est 8 à 4, hein. On mène toujours Matt Schaefer 0 en 2. C'est 8 à 5. Alors c'est parti. Et voilà, retiré. Les contrôles sont un peu bizarres cependant. 2 en 3. On est à la fin de la 8ème manche. Il a échappé, c'est trop tard. Une erreur du côté des Raiders là. On est de retour au bâton, c'est 8 à 5, on est au début de la 9ème manche. Et là, j'ai rien touché et ça sent l'home run. Oui, home run facile en plus de ça. Troisième home run. 388 verges quand même là. C'est assez impressionnant. Ça sent la victoire de toute façon avec ce but, ce home run solo. Victoire de 9 à 7 des Drillers de Tulsa qui reste toujours invaincu depuis plusieurs matchs. Hypnotic Mark est élu meilleur joueur, c'est tout à fait normal. 5 tentatives au bâton, il a réussi 4 fois à toucher la balle. 3 home runs sur ses 4 tentatives, c'est quand même excellent, on se le cachera pas. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on peut améliorer là. Oui, j'essaie d'améliorer un petit peu de tout. Ouais, ça va, on peut toujours, d'accord, donc ça 56, ça va également. Pour le moment, ça sera ça. Ça sera quand même pas mal, on va se le dire, on va avancer à la prochaine partie sans revenir au menu, ça c'est un aspect que j'aime. Bref, on est de retour les amis, c'est encore un match contre les Naturals. Alors c'est donc parti, on a réussi 3 coups de circuit lors de la dernière partie. 690 de moyenne au bâton, 10 coups de circuit, 27 points produits. C'est excellent même là. Ah, cependant ça commence un peu moins directement dans le gant de l'adversaire. 0 à 1 ce soir, on mène 3 à 1 cependant. Troisième manche, on a un coéquipier sur le deuxième coussin. Bon, c'est minimum double, c'est pas mal. Et on a réussi à faire un premier produit. Robert Lucas, 0 à 1 ce soir. C'est 4 à 1 là pour les Drillers. Très beau jeu d'Hypnotic Mark. Il rate le retrait là. Save! J'ai réussi. J'étais pas sûr. Je m'en doutais pas qu'elle allait faire une si grosse erreur que ça. Au final, on a réussi à produire un point produit. 1 en 2. On a fait un double la première fois, 5 à 1 là, pour les Drillers, un match un peu moins serré, on est au début de la 5ème manche. Et voilà, encore un double.
Robert Lucas 0 en 2. Il a profité d'une erreur tout à l'heure. Deux balles de prise. Trois balles, deux prises. Alors, ce tir décidera si ce sera une prise, ce sera un retrait ou non. Tout juste en arrière de nous, donc on fait bien de revenir au deuxième but là. Deux retraits, Jack Martinez s'avance 0 à 1 ce soir. Il a eu en fait tout simplement un 4 balles lors du dernier match. Il a été retiré au premier coussin. Et la manche se termine donc ainsi. C'est toujours 5 à 1 pour les Drillers. 2 en 3 pour nous. On est au début de la 7ème manche et 6 à 1 pour les Drillers. Première prise. Seulement le 4ème lancé. Donc c'est bien le lanceur qui devra fermer les livres en principe pour les Naturals. Et ça commence très très bien. C'est un coup de circuit, mais ce sera force ball. Force ball. Retiré. On est de retour 2 en 4. On est au début de la 9ème. C'est toujours 6 à 1. Et là, c'est sûr, j'aimerais bien faire un circuit, ce serait bien. J'avoue que 10 circuits en 14 matchs, 15 matchs, c'est très très bien. Et ce sera fausse balle. Et là, fausse balle encore une fois. Ah oui, que j'essaie là. J'essaie au maximum d'aller chercher ce coup de circuit. Bon, pas un coup de circuit, mais ce sera minimum un point produit là. Robert Lucas 0 en 4 pour lui là, ça va. C'est pas la meilleure partie pour ce dernier là. Et de coéquipier a un peu de difficulté, on va se l'avouer. Retrait très facile au premier but. C'est tout de même 7 à 1. Et voilà, le match se terminera. Hypnotic Mark est le joueur du match. Victoire de 7 à 1 des Tulsa. Et il y a une autre partie contre cette équipe une nouvelle fois. On a une fiche de 14-1. C'est pas mal, genre. Ah, d'accord, donc la série contre eux est terminée. En fait, on n'a pas joué cette match-là, vous voyez, est-ce qu'on a gagné? Ah, je suis pas sûr qu'on a gagné, là. Alors, on va regarder. Non, je crois qu'on a eu une défaite. Bref, 14 victoires, 2 défaites. On affronte tout de même les... ça doit être les Tracer ou les Acer, je sais pas trop, mais... quand même, ce sera pas si évident que ça, là, on va se le dire. Maintenant, on a 14 victoires, 2 défaites. C'est les Travelers, ils sont juste derrière nous. Donc, ce sera une série de matchs quand même assez important, on va se le dire. On verra bien comment ça se débrouillera. Mais c'est une série de matchs qui pourrait nous permettre rapidement de remporter. De prendre un réel avantage pour devenir champion de division, ça c'est sûr et certain. Voilà, on affronte les Travelers. Et on est à la maison, si je me trompe pas. Hypnotic Mark 181, 10 home run, 29 points produits. Oui, on est à la maison, les amis. On mène déjà 2 à 0. Un seul retrait. Et ça fait du bien d'être chez nous, là. Et ça sent... Et voilà, coup de circuit. On n'en avait pas fait lors du dernier match. Devant nos partisans, les amis.
C'est 3-0. Toujours 3-0 au début de troisième, là. Oh! Fausse balle, malheureusement. Et malheureusement, c'est attrapé au champ. Je suis presque heureux des fois qu'on rate pour que ce soit un peu plus réaliste là. 1 en 2, tandis que les Travelers sont approchés à 2 points. On est au début de la 5e manche, aucun retrait. Un homme au premier but. Directement contre la ligne, c'est parfait ça. Et c'est un simple réussi pour Hypnotic Mark. Everett Roberts, 0 en 2 ce soir. Et c'est attrapé là. Premier retrait. Robert Kluka est là, 0-1. Il y a déjà deux prises. Troisième prise, c'est le deuxième retrait. Alors Jack Martinez, 2 en 2 ce soir, 2 simples. Un autre simple permettrait d'avoir les buts remplis du côté des Drillers. Il est retiré au troisième but et c'est là-dessus que se terminera cette manche. On est de retour au bâton les amis. Début de sixième manche, 2 hâtes, les buts sont remplis cependant. Fausse balle nous désigne l'arbitre. Directement entre les deux, ça permet d'avoir au moins un point produit. C'est maintenant 4-1. Everett Roberts 0 en 3. Alors on a deux retraits, c'est très important. Deux balles, deux prises. Et voilà, retirer, ça mettra fin à la manche. Hypnotic Mark 3 en 4, c'est 6 à 1 maintenant pour les Drillers. Bon, ça devrait être une autre victoire facile pour nous. Directement dans le gant de l'adversaire. Et voilà, fin de la rencontre les amis. Victoire de 6 à 1. Et David Morey est le joueur du match pour les Drillers. Alors c'est parti, deuxième match face aux Travelers. Petite séquence à domicile qui fait du bien, on va se le dire. 1 Omar Gutierrez, la première fois, le dernier match est vrai, 8-0. Et on est au début de la deuxième. Ouf, ça sent la défaite là. Oh, j'ai raté. J'ai raté la balle. Hypnotic Mark 673, 11 overround, 31 points produits. 31 points produits. Mais c'est 11-0 là pour les Travelers. Une belle balle malheureusement qui sera considérée comme un fumble. Sauve au premier. Bon, j'ai été un petit peu gourmand.
Mais bon, Steve Golden, 381, 3 points produits dans cette saison. Aucun retrait. Doit faire le travail, on n'a pas le choix là. Retiré au champ. Martinez. Dans ses dernières 8 parties, 6 en 34 occasions et non 634. C'est pas très joli, on va se le dire. On est out, mais on a réussi à déjouer un petit peu, déranger un petit peu pour que le premier soit safe, au moins. 1-1 aujourd'hui, les 3 buts sont remplis, c'est 14-1. J'aurais bien là effectué un home run à ce temps-ci. Un coup de circuit, ça serait très important si on espère peut-être avoir une main chance de remporter. Et c'est un circuit, les amis. Un grand slam effectué par Hypnotic Mark là. 4 points produits là-dessus. 2-2, on a fait un home run, c'est 14-8. On s'approche là. Du haut pointage quand même pour cette rencontre. Belle balle directement au centre qui permet d'avoir un simple pour Hypnotic Mark. Steve Golden 1-2 ce soir. Alors qu'on a deux coureurs sur les buts. Le décompte est à aucune balle de prise. D'accord, c'est considéré comme une balle. L'arbitre qui a pris une décision alors que ça aurait pu être considéré comme une prise. On a considéré que le swing, donc les... Ouais, de toute façon, c'est le même résultat. Jack Martinez, 0-2. Deux retraits, le décompte est à 2 balles de prise. Et retiré au champ. Toujours 14-8 pour les Travelers. 19-8 maintenant. Brian Hunt, 45, 2 coups de circuit. 2 retraits, donc l'important c'est d'effectuer un retrait pour pas qu'ils augmentent leur avance là. Et voilà, c'est moi-même qui s'en occupe pour terminer la manche. Le tic marque 3-3. C'est 19-8. Ça va être une défaite d'après moi là. Je n'en doute pas. Et la balle qui touche par terre est un simple pour Hypnotic Mark là. Il continue son bon travail. Steve Golden en 3. Il faudrait peut-être mes coéquipiers fassent le travail, mais c'est sûr c'est réel en même temps. Donc c'est exemple, on est toujours de talent parce qu'on a été repêché au premier round dans les 20e je crois. Donc, ça il faut le savoir aussi là. Et j'étais allé sur le troisième but là. On a réussi à produire des points sur cette séquence. 19-9. Jack Martinez, 0-3. De retrait, le décompte est à 2 balles de prise. Ah, il est retiré malheureusement. On avait réussi à se rendre nous de notre côté jusqu'au marbre. Todd Cunningham 0-3. On pourrait faire... Non, pas besoin de double jeu. Là, il faut se concentrer. Il y a déjà deux retraits. Et voilà, retiré. On s'est bien lancé. On est là 4 en 4 pour ce soir. C'est 29, donc ce sera une défaite malheureusement du début de la 8e manche.
Au moins qu'on réussit vraiment 11 points, mais ça m'étonnerait. Line toward the alley in left center, and that's going to find the alley for his fifth hit of the ball game. He's around first. Il réussit à me rendre jusqu'au deuxième but. Donc un double 5-5, je dois avouer cependant. Au niveau de notre moyenne au bâton, ça va bien. Steve Golden 1-4 ce soir. Deux retraits cependant. Et retiré. Alors, je me doutais un petit peu qu'on n'allait pas aller jusqu'au marbre. Fin de cette partie, ça sent la défaite. Oui, défaite de 21-9 pour les Drillers. Jeffrey Marty des Travelers remportera tout simplement. L'Arkansas donc qui remporte 26 coureurs quand même sur les buts. Au moins, on va jouer le prochain match. On va terminer cette série, on s'arrêtera pour cet épisode. On affronte toujours les Travelers. Alors, une victoire de chaque côté hein, jusqu'à maintenant. 702 de moyenne au bâton, 12 home run, 35 points produits. Raté là. Et ce sera un double pour Hypnotic Mark. Avery Roberts 379, 5 points produits. On pourrait être son 6e point produit s'il réussit à nous emmener jusqu'au marbre. Aucun retrait doit faire son travail. Et ce sera le premier retrait. Ah, Robert Kluka dans les 8 dernières parties, 219 de moyenne au bâton, 7 en 32 occasions. J'ai pas réellement des bons joueurs, mais bon, là il y a 3 balles. Donc il va peut-être se rendre directement au but. Quatrième balle, voilà. Deux coureurs sur les buts, Jack Martinez 215, 7 points produits cependant. 4 en 9 dans cette série. Ils jouent un peu mieux dans cette série, il n'y a pas de doute. Une balle. Deux balles de brise. Toujours un seul retrait. On est au début de la deuxième manche. Alors, c'est une foul ball. Alors, je sais pas, les arbitres vont se parler. Parce que je sais pas si c'est nécessairement une fausse balle. Ouais, ils peuvent regarder la vidéo. D'accord, donc on ira à la reprise vidéo. Oh, je sais pas. Je sais pas. Home run, voilà. On mène 3-1. Bref, début de quatrième manche, 1-1. Et directement dans le gant de notre adversaire. 1-2. On mène 6-1. Ready with the first pitch, here it comes. Hard liner towards. Eh oui! Très beau jeu là. Et on aura un point produit là-dessus. C'est 7-1 pour les Drillers. Deux retraits, ça devrait se faire assez rapidement là. Au pire, il aurait pu nous toucher. Je sais pas pourquoi il l'a pas fait. Bref, ce n'est pas la fin du monde. 7-1, fin de la 5e manche. 7e manche, 7-4 maintenant. Deux retraits. This is line to left.
Un très beau jeu qui lui permettra sans aucun doute d'effectuer le double. Sauve! Un beau jeu des Pensées qui marque là-dessus. Roberts 0 en 3, 2 retraits maintenant. Donc on a avancé un petit peu dans les. Dans ceux qui vont s'exercer au bâton. Et voilà, retiré. Fin de la rencontre. Victoire des Dreaders, 7 à 4. Ça va. On a bien joué, Mnatic Mark, meilleur joueur de la rencontre. Est-ce qu'il y a une autre partie? Je crois pas. Ah oui, il y a une autre partie. Bah, on continue. Moi, je lui ai dit qu'on finissait au moins cette série contre les Travelers. MLB, the show's coverage of minor league baseball is on the air as we continue our tour around the minor league. C'est à nous une moyenne de 705, 12 home runs, 36 points produits. 11 en 14 dans cette série. Ah, les buts sont remplis là. C'est sûr que j'aimerais peut-être faire un. Bon, ben on a au moins fait un point produit là. Peut-être deux. Deux points produits. C'est 2 à 0. 3 balles, 2 prises, 1 retrait. Et on les sauve. Un autre point. Jack Martinez. Retiré. Non, il a gardé la balle. D'accord. Donc au moins, j'ai pu avancer. Nunes, durant les 5 dernières parties, 5 en 18. Deux retraits, deux balles, deux prises. Les coureurs au premier et au troisième but. Et oui, ça me permettra facilement d'inscrire un point. Hypnotic marque 1 à 1. Un simple, deux points produits avec, avec notre seul simple. Et on va rester au deuxième. J'aurais peut-être eu la chance d'aller au troisième, mais je préfère être sûr de mon coup. Aucun retrait toujours. 1 à 1 aujourd'hui. Alors s'il refait un double comme il avait déjà fait, j'irai directement. Premier retrait. Jack Martinez 0-1. Wow, just not going his way right now. Slumping pretty hard. He just needs some solid contact to get that confidence going again. Retiré. Retiré ou... Ouais, retiré, c'est bien ce que je croyais. Olivier Nunes, il avait fait un simple, un point produit pour lui. Un simple ne nous aiderait pas, mais ça permettrait d'avoir un autre homme sur les buts. Je sens le retrait, voilà, retiré sur le premier coussin. Fin de cette manche, c'est 4-1 pour les Dreaders. 2 en 2. Début de la cinquième manche. Un retrait. Et c'est attrapé. 2 en 3. Toujours 4-1 au début de la septième. Oh, directement, quel beau jeu défensif des Travelers. Fin de la partie. Victoire des Dreaders 4 à 2. Un match un peu plus serré que d'habitude. Ken Florival sera
tout simplement le joueur du match. D'accord, donc on a terminé cette séquence. C'est bien quand même, hein? Faut les terminer un jour ces séquences. Ah, j'avais eu des petits problèmes de droit d'auteur là, j'avais pas enlevé là déjà. Mais je veux juste aller voir là. Voilà, ça peut m'éviter tout simplement d'avoir des problèmes de droit d'auteur. Bref, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode de MLB The Show. Moi, de mon côté, je vais arrêter là-dessus également aussi. Je vais sauvegarder tout simplement. Non, c'est pas ce que je veux faire en fait. Je veux sauvegarder mon fichier tout simplement. J'espère que vous aurez apprécié. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, ciao, ciao.